Madame, monsieur, bonjour, nous sommes le dimanche 19 novembre 1899. En effet, dans les bureaux de la rue de Grenelle, on étudie, concurremment avec l'Office anglais des postes et télégraphes, un appareil destiné à l'affranchissement automatique de la correspondance. Dans tous les bureaux de poste, et même au coin des rues, on placerait ces appareils qui, moyennant le versement d'un coût fixé, ne délivreraient plus automatiquement le timbre-poste à coller soi-même, mais timbrerait la lettre d'un timbre sec portant la date du jour même. Pour ce faire, il n'y aurait qu'à introduire le coin de la lettre dans l'appareil, ainsi que font les contrôleurs d'omnibus pour timbrer les correspondances. C'est peut-être ingénieux, reste à voir si ce sera pratique. Dans tous les cas, cela nous dispenserait de lécher la colle de l'État. Nous avions raison d'accueillir hier, sous toute réserve, une certaine dépêche datée de Lourenço Marques et d'après laquelle il semblait que les troupes anglaises avaient abandonné Ladysmith, accablées par une pluie d'obus. Le général White est bien toujours dans la ville, avec la garnison, et ne songe nullement à se retirer. Le cercle d'investissement s'est fortifié et resserré, le bombardement se poursuit sans relâche. Mais les remparts, au dire des indigènes, demeurent intacts, et la garnison ne faiblit pas dans sa résistance désespérée. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain.